Yo tout le monde! Avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en coop avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège, également présent sur Twitch, Vae TV. Voilà, il fait du contenu très sympa. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous, chers amis, c'est Vae, on se retrouve aujourd'hui avec Tiop sur Rome de Total War. On va continuer le Last Lay avec l'Egypte et les Séleucides. Et si vous n'avez pas vu le début de l'aventure, bah, tout est dispo sur ma chaîne YouTube et également à la chaîne du Gatiob, qui s'appelle Le Gatiob. Si vous ne connaissez pas encore, allez voir. Donc, tout est disponible là-dessus. Voilà. Salut Tiop, comment tu vas? Yo, ouais. Oh bah, fallait toi. Ça va, il faut. Hein. Il faut, comme tu dis, exactement. D'accord, on va reprendre cette campagne qui s'annonce plutôt. Je sais même plus où est-ce qu'on s'est arrêté l'autre fois. C'était quand, la dernière fois qu'on a joué, c'était il y a un mois, non? C'était il y a longtemps, ouais. Je crois que pour ma part, je devais être en train de taper du romain. Et que toi, je sais pas pourquoi, t'avais fait un pacte non-agression avec les Pontes, je crois, à l'Arménie, pour aller taper sur quelqu'un Oui, d'autre. oui. Mais ce, je suis encore en guerre contre les Parthes, c'est pour ça. Ah oui, c'est ça, voilà. Bien vu. Exact. Il y avait de l'action là-bas. Il en reste pas grand-chose, mais il en reste quelques villes. Oh, bah, il y a encore pas mal de petits territoires à prendre. C'est bien riche là-bas. Quelques Ah ressources ouais, je me de rappelle, on avait fait luxe. une bataille défensive plutôt sympathique l'autre fois, en Orient, comme Romain. Ah oui. Bien vu. Dans un petit village, la défense d'une. Enfin, une petite ville, on va dire plutôt. Ouais, une petite bourgade orientale. Et Minto, ça va et toi? En attente d'un cessez de 2 heures. C'est quoi un cessez? J'ai pas compris. T'as compris toi, Tiob? Un CC? Oui. Copier-coller? Alors j'ai pensé à ça aussi au début, mais je sais pas. Compte courant, peut-être, mais c'est bizarre, 2 heures. J'ai pensé aussi à la contrôle continue. Ah Mais oui, je c'est pas bête ça. n'en sais rien. J'entends mal, par contre, il y a plein de monde. Ah, t'es à la fac. Est-ce que tu nous confirmes que tu parlais d'un contrôle continu? Un contrôle, quoi. De 18 à 20, oh, terrible. Ah, c'est déprimant. Finalement, on est bien là sur cette carte de Rome 2, en fait. Franchement, Ah, t'es devant ton amphi pour c'est 2 heures de propre. contrôle, d'accord. Là, Bah écoute, bon courage. je vois que. Bon courage, comment tu te sens par rapport à ce contrôle? Ah oui, lui il est loin. Ils ont la bonne idée de faire passer des contrôles aux étudiants en fin de journée là quand ils sont bien fatigués. Alors qu'ils pourraient les faire le matin quand ils sont bien frais. Ah Mais bon. ça. En fin de journée, 18h à 20h. Ce serait pas drôle sinon. L'éducation à la française. Ça. On fait beaucoup d'heures, mais c'est pas les plus rentables. Hein. Exactement. On pourrait faire beaucoup mieux en moins de temps, quoi, en fait. En fait, on taxe les amphis de droit et comme ils ont cours jusqu'à 18h, on n'aura aucun contrôle avant. Pour avoir eu la chance de passer enfin de passer du temps en Finlande et avoir pu découvrir leur système d'éducation. Ah, t'as Ils fait. ont 30 ans d'avance sur nous, mais T'as enfin, fait c'est nous un qui peu de ta avons 30 ans scolarité en de retard. Finlande.
Non, disons que j'ai fait un échange là-bas étudiant. Ah, ok. Et ils ont tellement d'avance. Enfin, on a tellement de retard. Enfin, les deux, en fait. Ouais, bah c'est C'est. valable dans les deux sens. Ah ouais, ah, c'est un sacré délire. C'est génial. Mais je pense qu'il n'y a pas que hein, l'Allemagne, par exemple, un système qui me paraît plus pertinent. C'est plus viable que le nôtre, mais en Finlande, c'est encore. Enfin, c'est un autre délire, quoi. C'est encore au-dessus, ouais. C'est vrai que les pays scandinaves, ils sont quand même assez en avance sur plein de trucs. Ah oui, bah là, il n'y a pas photo. Oh, tiens, je te propose une bataille manuelle pour prendre Brindisium. Si tu veux. Alors, mais Ouais, avec du enfin. renfort athénien. Ah ouais, en plus. Ouais, c'est pour ça. Ouais, j'ai qu'une flotte, et lui, il a des troupes à pied. Je me dis, attends. C'est bénef, c'est tout bénef, je reconnais ce genre de truc. Ouais, mais je sais que voilà, je suis moi-même allé à la fête, Nito, j'imagine bien que ton contrôle il est fixé à l'heure où tu as habituellement cours dans ce cours-là, tu vois, mais je disais ça pour t'embêter un peu. Ouais, enfin c'est. Ouais. Voilà, si jamais vous Après, voulez. je sais pas, c'est l'organisation à la française, quoi. Genre, c'est réserver une salle pour 1 heure qui arrangerait plus les étudiants, c'est compliqué, hein. Faut que ça arrange. Ça arrange même pas les profs là pour le coup, donc. En Chose plus, quand ouais. même eux. Je sais pas comment ils se démerdent, mais. Hop là, et là on va avoir les renforts athéniens. Ah, oh, ça c'est trop bien. Ouais, je vais Ah, attaquer le c'est port. du coup un débarquement de deux belligérants. Ah ouais, voilà. Bah ça va être génial. Bon, en vrai, moi je vais pas faire grand-chose. Hein. Là, je vais juste. C'est l'IA faire le boulot, c'est ça? Ouais, ce que je vais faire, c'est peut-être essayer de Ah oui. péter cette porte-là, de Ah mais péter c'est cette vrai, tour-là. excuse-moi, j'avais oublié que tu fais des flottes entièrement remplies d'artillerie. Ah bah oui. Ah ouais, là, c'est pour le coup, le combo est impeccable, quoi. C'est. Ah je vous, ils vont débarquer les troupes au sol et toi tu vas les pilonner. C'est ça. Hop, on va avancer tranquillou là. On va mettre en accéléré parce que j'ai pas de son. Pourquoi j'ai pas de son? Ah oui. Moi j'ai du son perso. Ah c'est juste que j'avais totalement zappé. Voilà, là je l'ai. Qu'en fait j'ai ton son dans le casque et j'ai le son du jeu qui est pas dans le casque. Ah d'accord. Effectivement. Ah, ça fait une belle ligne de navire ça. Par contre, ça m'énerve parce que. Il s'arrête où? Ah oui, voilà, il s'arrête là. Ah, mais il y a des navires même qui viennent en renfort. Ah, c'est génial. C'est les Athéniens. Ouais, je crois. Athéniens ou Sparte? Ah, c'est les Athéniens? Bah alors, ceux qui arrivent de là-bas. Ah, c'est les unités. Cavalerie, je crois, qui arrive là-bas. Attends, j'arrive pas à les voir. Que font les Romains? Ah, c'est leur cavalerie. Ils tentent une fuite vers la plage extérieure. Je sais pas ce qu'ils foutent. Merci Ninto. Ah, ils veulent peut-être Bon essayer courage pour ton d'intercepter. contrôle. À la prochaine. Ah bon, tes gars, ils savent pas trop viser, hein. Non, ils sont pas encore très très entraînés, hélas. C'est pas l'artillerie d'Atia Total War. Ah, ça c'est clair. Ils ont pas coulé un seul encore? C'est terrible ça. Bon allez, on va Non. accélérer. Je sais pas si tu vois, j'ai une de mes artilleries qui est en train de faire une marche arrière.
Surtout en train de tirer 5 boulets en même temps pour détruire un navire, quoi. Ouais. Et qui a pas fonctionné, hein. Je crois que c'est le pire, hein. Je crois que c'est... qu'il va même pas couler avant... Ah si. Ah non. Bah là, remarque. Il a eu le temps de débarquer avant. Il fait pas couler le navire à cette. Ah bah Regarde si. cette altitude. Si, Ah si, ils sont regarde, en ils sont train en de train de se se... noyer. Mais ouais, c'est fou. What the fuck? T'as aidé. Ils sont en train de se noyer en ayant pied presque. C'est ah, c'est vraiment pas de peau. Hein. C'est ce que j'allais dire, ils peuvent pas se noyer à cette profondeur, mais en fait, si. Ouais. Putain, ils sont en train d'essayer de d'ouvrir l'entrée là-bas. Oh putain, c'est Mais terrible. regarde le navire, il est en train de sombrer comme si c'était en pleine mer. Mais ouais. Ils s'enfoncent dans le sable. Ouais. Bon, on va essayer de. Hop. De foutre le feu à cette porte là-bas. Quand même exceptionnel. Le but c'est de casser là-bas le truc. Dégâts à Il y la a la porte. cavalerie athénienne là qui est en train de faire les portes. Ouais, mais ils y arriveront pas. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça que je voudrais péter la porte juste là, histoire qu'elle vienne justement pour. Pour éviter d'avoir à péter la porte. Dégâts aux portes 60, 64, 68. En plus, s'ils ouvrent les portes, ça va être difficile. Après, c'est bien, c'est qu'il y a munitions pas illimitées avec les bateaux, mais quasi. C'est assez généreux en munitions. Ouais. C'est clairement généreux les bateaux en munitions. Alors là, j'ai demandé à tour à flèche, s'il vous plaît, les gars. Voilà, merci. Ouais, il fait les tours comme ça va tuer des soldats, je pense. Bah surtout, comme ça, ils tireront pas sur les unités à pied. Aussi, oui. Mais ils ont pas l'air de vouloir venir là, la cavalerie, la cavalerie athénienne. Après, Bah, l'IA est un peu limitée aussi, hein. Ah mais regarde, ça crame, hein. 75% de dégâts. Ouais, j'aurais pas cru. Ok. Ben voilà, plus de tour. Ouais, tiens, je vais taper celle qui est là-bas. Ils sont en train de débarquer où? Ils débarquent? Ah, ils débarquent pas. Si, il y a une petite unité qui débarque, mais En plein ils milieu! refont la scène 2-3 où ils débarquent tout seuls face à plein de soldats. Sauf que là, il n'y a pas Achille et Vénir Midon, quoi. Ah ouais, bien C'est sûr. la seule différence. Puis surtout, il y a encore une tour à flèche, enfin une tour qui est pas dé... ouais, qui est pas pété. Aussi, ouais, c'est vrai. C'est quand même dommage. Ah, ce sont des hoplites. Ah, ça peut tenir un peu le... Ouais, mais non, mais pas avec des unités derrière. Plus ils me bloquent. Ouais, mais c'est de la milice hoplite, ça va pas tenir mon feu. Ouais. Bon, au pire, ça occupera un peu les Athéniens et ils ont quelques tours pour se refaire d'une armée. C'est vrai. Allez, je vais Mais ce focus serait la tour bien à quand même flèche. qu'il réussisse à venir à bout de l'armée romaine. Ah, je t'avoue, ouais. Serait toujours cette fille. Cette prix. Je crois que j'ai des balistes qui sont. Enfin, des panthères là, des. Les unités d'artillerie qui sont en train de tirer dans le tas, dans les pauvres Grecs aussi. Oh, des panthères. Pourquoi pas des tigres? Non, c'est ça, c'est vraiment le nom des bateaux, Panthère. Mais quand tu m'as dit ça, tu m'as fait penser aux panthères, tu sais, les chars allemands de la Seconde Guerre mondiale. Ah! Ouais, effectivement. Ah bah là, les pauvres. Les hoplites, ils vont pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Vigilès et hoplites. Je crois que ça se prononce Panther, je crois. Ah, c'est possible, ouais, je t'avoue, j'ai pas. Ouais. D'où ma petite vanne sur les tigres. Ah, regarde, ils sont passés avec la cavalerie, ils sont là. Ah oui. Après, pour combien de temps? Ça, surtout s'ils envoient un par un, c'est pas gagné, hein. Ouais, c'est vrai que là, ils ont au compte-gouttes. Après, en Je crois soi, pas que tu peux faire débarquer que 3-4 unités ici. Ouais, je crois que c'est 2, 3, 4, un truc comme ça.
après là, ils perdent le point de capture. Hein. Ouais. Et ça, je crois que c'est un des points de capture secondaire. Ouais. Oh, ils sont massés là près de la muraille. Tu peux faire des blitzings. Ouais, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Comme ils sont À la rigueur, pendant qu'ils sont en train de se dispersés, ouais. battre, t'envoies une unité d'artilleurs qui n'a plus de munitions et tu captures la zone centrale. S'ils ont rien pour défendre. Ouais, mais là je crois que j'aurais même pas à débarquer en vrai. Là tu vois, j'envoie. Tu leur dis de tirer dans le tas là. Il y a du grec. Tant qu'il y a du grec, c'est bon. Ouais, bon, tu leur tires un peu dans le dos quand même, les pauvres. Oui. Non, mais c'est pour faire le tri naturel, c'est un tri sélectif, t'inquiète. Sélection naturelle. Voilà, voilà, exactement, je cherchais le terme. Ah, pour faire sortir les navires là. C'est marrant parce que les artilleurs ils tirent à côté quand il s'agit de tuer les Romains, mais alors pour tuer les Grecs. Ah, c'est en plein dedans, hein. Ouais. Hop. Merde, j'ai un navire là. L'IA les envoie par vague. Hop. Il reste encore des munitions. Ouais, selon les navires, mais j'ai l'impression qu'ils bougent pas des masses. Oh, j'ai un navire qui est en train de cramer surtout. Non? Merde. Alors c'est quoi ce bordel? En fait, j'ai l'impression qu'ils bougent pas, qu'ils sont un peu buggés. Ah voilà. Il y a un peu un embouteillage aussi dans le port là. Et la sardine qui bloque le port de Marseille, quoi. C'est un peu pour ça. Je vais la replacer. D'ailleurs, le vieux port de Marseille, il est exactement dans la même structure que ce port-là. Ouais, bah. Carré et rectangulaire, comme ça. Une bonne forme classique, facile à. Facile à défendre de l'époque, hein. C'est Massilia, hein, c'est fondé par les Grecs, donc c'est pas étonnant, écoute. Port grec, ouais. Ah oui. Marseille, fondé par les Grecs, ouais. Et par contre, mes bateaux, ils veulent plus tirer, hein, je sais pas pourquoi. Ah, ça y est, il y en a un. Ah, c'est peut-être parce que les Grecs devant, justement, ils osent plus. Ils se sont fait engueuler. Dis bon, ça va, aller jeter des cailloux, mais pas sur nous, quoi. Et ouais, c'est ça. Oula. Ouais, ouais, bon. Les phalangistes, là, ils se prennent des boulets dans la gueule. Ah, c'est. En fait, le plan, c'est de prendre la ville et en même temps tuer un max de grec. Exactement. Exactement. Faut bien les occuper, les Athéniens. Hein. Bah, c'est bon, je pense que c'est gagné, là. Ouais. Et il reste apparemment un petit général qui se balade quelque part. Là, ils vont tranquillement prendre les points de capture, là, les Grecs, donc. Juste à attendre. Ils pourront pas se faire tirer dessus, au moins. C'est ça. Ah bah, ça y est. Il y a les Vélites, là, il y en avait des Vélites qu'on fuit. Il y a peut-être encore une petite unité de général. Vitulus. Ouais, il est là. Curius Vitulus, Principes. Ah ouais? Il est où? Ah, je il le vois est pas. Sur la place. Merde. Je le vois pas. Ah oui, ah oui, il est tout petit là, vu d'en haut. Il est tout petit vu d'ici. Allez hop, avec les piquets par l'arrière. Oh, yeah. Ça va faire mal. Alors voilà. Piquet, hoplite, même s'il y a du léger aussi dans le tas. Oh, ils tiennent bien quand même, hein, pour. Voilà. Zéro perte, hein. Moi je vois ça. Hein. Bon, beaucoup de pertes pour les Grecs. La moitié de leur armée presque. Dont la moitié c'est moi. Hein. Enfin le tiers du coup. C'est... Ça compte pas comme expérience. Ça pas ou non. On dirait que ça a pas compté pour mes navires. Bah, je suis pas sûr. Ah non. Je vois niveau 2. Je me dis bon.
Ah, j'avais oublié que t'avais pris la Sardaigne et la botte de l'Italie. Bah là, je viens de prendre Cosentia et Brindisium. Mais la Sardaigne, ouais, je sais pas ce que quand j'ai foutu ça, mais bah tant mieux. Clairement. Je m'en rappelle plus. Il est en train de nous refaire l'Empire romain, mais à la sauce égyptienne. Ouais, c'est un peu ça. Hop. Y a quand même quelques légios qui se baladent dans le coin, par contre. Ah, mais elles sont en train de mourir de faim. Oh, c'est bon, y a pas de légios qui sont. Ils sont même en train de se faire pourrir par les nourris. Ah, j'ai oublié que j'étais en guerre contre les Thraces, moi. Contre les traces. Ah oui, bah à un moment, ouais, tu devais passer et. Elle dit, attendez, j'arrive. J'ai fait la paix avec eux, il me semble. Ah, mais ils sont peut-être alliés à un de tes ennemis. Les traces? Ou alors, Oui, c'était sur le c'est royaume de peut-être. Tilis et que t'avais fait la paix ensuite Oui, avec voilà. la Tilis, et... mais pas avec les traces. Le royaume de Tivis. Ah oui, il fallait que je te rende Enfin, je. Tyros aussi. Ah oui, c'est vrai! Je Ma ne... ville, là. Je viens de voir des bas quartiers, je me dis, bah attends, comment ça? Là, je regarde, je fais, ah ouais, c'est vrai. C'est vrai ça, qui me rend de ma vie. Alors, je fais quoi? Je fais poste. Je sais pas comment on va faire ça. Ouais, bah là, l'ordre public est négatif, donc ça devrait se faire petit à petit, quoi. Et j'ai fait des choses pour augmenter le désordre public. Ça prend un peu de temps, mais ça va se faire. Ouais, clairement. Mais moi, j'ai peur que ton allié à côté se dise, bah tiens, il y a une rébellion, je vais aider mon maître, Ah, je vais les mater. c'est très possible en vrai. Ah, je peux essayer de faire en sorte de les occuper ailleurs. Leur donner un objectif autre. Sinon, remarque, si j'envahis Chypre, ils pourront pas faire ça. Oui, mais non, on va se débrouiller. Regarde. Hop, je vais même leur demander de t'aider. Je vais aller leur demander d'aller sur sur le sur Ashurbanipal. Faites un truc un peu, s'il vous plaît. Voilà. Je leur ai donné une cible. Oh, on s'entend bien avec la Bactrie. Les royaumes séleucides qui s'entendent bien. Bon, il n'y a plus Macédoine, donc ça c'est pas grave. Genre avec la Bactrie, on est super potes. Ouais, moi aussi, je m'entends bien avec eux. Bon, après, il leur reste des petites villes. Ils sont plus très puissants. Ouais, ils vont se faire finir, autant que tu récupères ce territoire en vrai. Là, au prochain tour, je récupère Prada, ça c'est sûr. Hop, on adopte la petite Lola. Détournement de fond. Non, quand même. J'ai combien de gosses? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8 adoptés, ouais, c'est pas mal. N'oublie pas que t'as une armée à côté de chez moi, en Orient. Je l'ai oublié. En Iran. Je l'ai totalement oublié, mais le but c'était de faire blocage, je crois, avant qu'ils arrivent. Ah, j'ai une armée aussi au nord de la Sardaigne. J'ai récupéré Prada. Hop, ça c'est gratuit ça. Naturellement, je vais pas la faire. Ouais, celle-là, elle est gagnée facile. Et après, l'armée, elle remontera au nord. Il faut vite que j'envoie une armée défendre le nord de la Turquie. Hein? Où ça? Ah, au Détroit, là. Au Détroit, ici, il y a une armée ennemie chez moi. Ah ouais. J'ai envoyé mon armée qui est à côté. Bah, y a pas grand-chose à Nicomédia, je pense qu'elle pourra se défendre. Là, j'ai une bonne armée, hein. J'ai des piquiers
Ah, c'est vrai qu'on jouait en anglais. J'ai dit Pity et Linothorax. Des éléphants. Je pense que cette armée-là va aller prendre Antea. Je vais aller capturer un peu la province de Thrace. Ouais, tu l'as fait à l'égyptienne pour défendre l'Égypte, tu contrôles les territoires aux alentours. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Oh, c'est pareil, hein, si j'ai pris tout ça, c'est juste pour être sûr, hein. Juste pour défendre le Nil, hein, si je prends Rome. Ouais. Bah, la meilleure attaque, c'est la défense, comme on dit. Alors. Après, ouais, les Massa et Silès aussi, il faudrait que j'aille dessus. Je vais modifier les bâtiments. Ils m'ont bien aidé en tout cas les Athéniens. N'hésitez pas à me redonner des coups de main quand vous voulez. J'ai une armée à Susia. Je suis entouré d'ennemis. Il y a une armée parthe avec beaucoup de tireurs à cheval. Studia, ils te la prendront pas. Attends, je réfléchis. Par contre, Nisa, elle va être compliquée. En fait, si l'armée qui est à côté de Nisa m'attaque, peut-être que la garnison va pouvoir se défendre, mais si les Parthes viennent en renfort, ça va être compliqué. Ah, mais Nisa, c'est pas celle qui a été qu'on a défendu le tour. Non. Non, non, non. Après, si t'as les fonds, tu peux lever une armée de mercenaires. Hein. Je crois que j'ai atteint la limite max de généraux. Ah, oui. C'est ça le problème. Attends, je crois que j'avais une armée qui était en route. Ils sont où? Ah, ils sont dans le Caucase. Ah oui, ils sont pas arrivés encore. Ils seront en marche forcée dans 3 tours. Je pense que je vais me mettre en mode fort à côté de la ville de Susia avec mon armée. Et on va patienter, hein. Ouais, bon, après, je pense que même s'ils reprennent Nisa. Ouais, c'est pas très grave. Je la reprendrai. J'ai demandé à mes alliés de justement d'aller attaquer le guet, la petite troupe à l'est de Nisa. On va voir, hein, peut-être Ok. que Chypre ils vont bouger pour aller là-bas et du coup pas défendre Tyr. Peut-être. Bon, écoute, on verra. Je regarde si je peux faire du commerce avec des nations. Bactrie peut-être. Je crois que je fais du commerce avec eux déjà, ouais, c'est le cas. Ah ouais. Les Ibériens, ils veulent pas. Nori. Ah, Nori, Ah moi non. j'ai bientôt les Ouais, remarque, si tu leur fais la guerre, ça sert à rien. Bah ouais, ils ont déjà. T'as vu tout ce qu'ils ont pris de l'Italia? Je vais aller. Si, surtout s'ils prennent Rome. Ah, bah Carthago a accepté. Cool. Oh bien. Ah tiens, ouais, j'essaierai. Faire du commerce avec les Germains aussi. Ils veulent Germain, pas. les Suébiens ou Suève? Ouais, c'est ça. Putain, ça veut dire qu'ils ont bien étendu leur territoire. Mais ils sont pas intéressés par la culture séleucide. Ah, ils aiment pas la soie. Ah. Oh, le nombre Quel est d'unités bon. que tu peux faire, c'est génial ça. Ah, je recrute un peu. Faire quelques petites unités en Turquie. Ça, pas de mal. Oh, je vais recruter à Donf. De voir Nécropole de Gizeh, moins 5% de coût de construction dans toute la faction. Sympa. Attends, je peux mettre un truc là. Mettre en point d'expérience. Voilà.
plus 4 d'ordre public par tour dans toute la faction. Ah. Orak ouais, Damanre. Bon, ma garnison ne prendra jamais. Ils sont... Ça risque d'être tendu là. Ils sont pas assez développés. Hein. Ouais, populace en plus et tout. J'ai que une seule unité de piquier. Ouais. En plus, ils ont bien XP. Hein. Ils ont des unités rang 5. Purée. C'est pas grave. Ma deuxième armée est en route. Ouais, ça va le faire. On va leur apprendre le respect. Ah, une alliance défensive avec l'Arménie. Pourquoi pas? Oh, ils protègent bien le nord. Hein. En effet. Hein. Ah, royaume Oula. De Tilis. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, ils attaquent une comédie. Oh, c'est défendable. J'espère. Ils ont quand même des guerriers fidèles. Oh la vache! Merde. En vrai, avec les piquets, c'est défendable. Hein.